Donc, nous félicitons chacun qui est là, spécialement la presse. Je vous dis assez un honneur pour nous, un grand jour pour nous réunir ensemble, pour nous présenter le service ophtalmologique que nous avons en tant que médecin. Donc, c'est toute première, juste avant moi-même, c'est Pédiatre Charles, moi c'est médecin, et moi c'est directeur médical médecin. Donc, ça n'est pas un problème, n'est pas chacun qui est là, nous avons de problèmes de yeux que les populations la confrontées. Donc, nous avons souci ça, nous-mêmes dans le Medicenter, ensemble avec les partenaires, nous avons des juges nécessaires pour nous implanter un service ophtalmologique dans le département. C'est pour raison ça qui fait nous réunir avec la presse pour nous présenter le service là d'abord et puis comment ça va aller, comment ça va fonctionner. Et donner au bail, il y a près de 500 000 personnes qui ont vu avec sucre et il y a près de 2,5 millions qui ont vu avec tension. Et nous avons deux maladies qui ont affecté sur directement. Le cas de rétinopathie diabétique et rétinopathie hypertensive. Et donner au bail tout dans le cas de là, c'est nous-mêmes haïtiens qui ont plus de monde qui fait tension, qui ont plus de monde qui fait sucre et tantôt plus de monde qui ont des problèmes de yeux. Donc c'est pour ça, nous-mêmes avec partenaires, nous réunis et puis nous implantés et service ophtalmologie en Medical Center d'abord avec partenaires qui chaque division et bien qui connaissent que nous allons présenter tout à l'heure. Nous pensons que c'est la toute grande première pour le département. Et la population d'abord a un bon service et puis les gens ont un service que nous offrions. Et bref, pour nous avancer, nous allons présenter nos PDG président d'abord, qui c'est M. Eddy Pierre. Et nous pensons que nous avons aussi l'historicité de Medicenter qui nous sortir pour nous là. Et puis après, on a fait suivi avec partenaire Zio, qui c'est Spencer pour la télévision, et puis et Jimmy pour la télévision connect. Avec nous, on va dans les PDG à l'hiver, on pense que c'est aussi bien. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir la presse qui est avec nous, bonsoir à tous l'équipe qui est avec nous. Je vous dis à nous, c'est un grand jour pour nous open, c'est une ophtalmologie en 2022. Médecine actuellement pour moi j'ai qu'on va faire 5 ans de service dans le département pour nous baser dans tout le pays. Donc j'ai dit que j'ai parlé déjà, c'est que depuis aujourd'hui, c'est la sophtalmologie ouvert dans tout le pays. Nous allons tout bail, nous avons passé à M. Spencer qui va nous dire moi avancer mon pas. Merci à Bill. Nous saluons tout le monde et qui a chance de garder, tendre. Ça qui a fait aujourd'hui là, nous saluons la presse qui est présente avec nous. Je dis à son gros jour pour nous et que nous débordons avec la joie. Nous comptons partager un panel ensemble avec le directeur médical Medicenter, PDG Eddy, qui est ensemble avec nous. Et puis nous gagnons collègues nous, partenaires nous, Jimmy Regis. Nous-mêmes, nous sommes Charity Vision. Et moi-même, moi je suis Spencer Alexis. Moi, c'est manager Charity Vision et pour Haïti. Et mission nous, c'est. Et mission nous, c'est renforcer et travail institut de Medicenter et pour délivrer soins G by communauté. Jean, que le directeur a dit tout à l'heure, Haïti représente la majorité et précisément cas de cataracte qui gagne dans tout Caraïbe. 50% c'est la Caraïbe. Et nous-mêmes, et dans Charity Vision, nous intervenus auprès de physiciens, nous intervenus auprès de spécialistes, auprès de cliniques, de l'hôpital, pour que nous soyons capables de sensibiliser la communauté à émettre des services et soins de qualité disponibles pour eux. Nous renforçons avec des équipements et nous renforçons ensemble avec des intrants pour faciliter l'opération du cataracte et l'autre. Et nous vraiment apprécier ce qui a fait jeudi là, nous contempler, c'est un plaisir, un honneur que nous venons faire partie et de ce qui a fait là et nous fiers de toute l'équipe là et qui te répond présent pour que nous puissions présenter et une clinique ophtalmologique et dans le Nord-Est, précisément dans le Guanabé. Merci. Ok, donc nous saluons chaque monde, chaque internaute qui va suivre les conférences. Et son plaisir matin de nous reconnaître pour moi parler non de grand projet ça qui est vraiment qui lancé dans l'Ouest. Donc clinique ça qui c'est un centre ophtalmologique nous capable là qui dans Medicenter clinique dans 34 Saint Pierre Wanamet. Il ouvre pour desservir non seulement monde qui dans l'Ouest mais tout pays. Donc
Ensemble avec Charity Museum Medi Center, avec les connectés joints, pour nous capables de mettre entité ça en plus dans le service qui est disponible dans le Medi Center. Donc, nous avons invité chaque membre de la population pour capable venir dans le service. Nous avons des équipements qui sont vraiment adaptés, nous avons des professionnels qui sont là et haïtiens qui sont là, qui sont vraiment disponibles et disposés pour offrir le service à la communauté. Donc, si vous avez réclamé des communautés, c'est venir dans le service là, parce que nous ne pouvons pas regretter. Donc, après un pile de demandes, après un pile de constats que nous avons fait, nous avons vraiment vu débattre dans le sac de besoin. Donc, nous avons dit que nous avons seulement invité nous à venir dans le service là, et que nous avons dit pas besoin de faire. Donc, pour gérer ça, qui est dans le médecin, qui est dans le clinique privé, nous avons saisi que nous servions. Peu importe le boost qu'on gagne, même parler des boosts, on connaît que payant est vraiment difficile en moment, donc nous devons faire aller à l'hôpital là où on a besoin. Donc, nous n'avons pas fait, c'est venir, nous avons une façon quand même pour nous servir. Donc, venez quand c'est pour nous, nous invitons déjà à rejoindre nous pour nous capables d'aider le programme. Bref, nous passons pratiquement terminé. Et nous avons dit à partir d'aujourd'hui que officiellement, clinique du département d'ophtalmologie en 2005. Ouvert à tout public, là, toute population valaisienne, et pourquoi pas à travers le pays, parce que nous avons des gens qui sont de côté, qui viennent là, et nos gens et collègues nos étudiants, partenaires nos étudiants, nous équipés avec des matériels de dernier cri, nous avons un personnel qui est vraiment compétent et qualifié, nous avons des salles chirurgiques, nous avons tous les services disponibles là, et bientôt, et comme les partenaires avaient dit ça, et nous pensons dans le département chirurgien, nous même un projet fait chirurgie à laser, c'est ça expensive. Voilà. Donc, c'est toute une gamme de services hautement qualifiés comme dans la population. Donc nous invitons tout le monde qui fait Noël et Tinder View ça. Fermez ce center, mieux allier nous pour soins de nous et nous enseignons. Si vous avez rien à rajouter, l'invite toute la clinique qui va y servir ça tout pour être capable de rejoindre nous pour collaboration parce que nous connaissons que c'est très important et question soins. Donc, nous attendons nous. Et la presse, et nous avons toujours visité nous. Donc, pas hésiter à contacter nous. Dans le numéro ça, c'est 37 29 53 50. Nous sommes capables toujours de passer visiter nous. Et si vous pensez que vous avez besoin de service. Donc, nous ouvrons et à grand public. Merci. Ce que vous faites pour l'école. Là, nous avons des vidéos sur différentes pathologies. Les pathologies oculaires, nous parlons des différentes maladies, ça pose comment on est capable de traiter. Donc, à travailler comme ça. Nous allons regarder des physiciens, nous allons regarder des vidéos qui sont capables d'éduquer. Et maintenant, ici, nous commençons à entrer dans le diagnostic. Donc ici, c'est par ophtalmologie là, parce que c'est l'optométriste qui a fait l'examen là. Donc c'est toujours des médecins cubains qui accompagnent nous là. Donc nous avons différents équipements pour être capable de faire des examens avancés pour les patients. On va avancer toujours. Et donc, les grands salons sont les plans que nous utilisons. Donc, là, nous avons des équipements, nous avons des champs visuels, nous avons des OCT. C'est des équipements qui sont capables de faire des examens avancés. Donc, qui vraiment, il y a des cas qui nécessitent des examens vraiment avancés. Donc, nous avons des zones de haute technologie. Donc, pour nous avancer toujours, nous avons là, c'est une salle de stérilisation qui connecte avec la salle chirurgienne. Nous avons quand même quelques images là, mais ça, c'est finalisé jeudi. Donc c'est juste une salle de stérilisation qui connecte avec salle et chirurgien. Donc là c'est notre travail qu'on fait là. Ok. Donc. Il vient pour y opérer, puis accompagner mon proche, il y a Chita là. Et puis ici, là, normalement, ça l'a pour stériliser comme il faut avec lui. Il fait donc normalement son zone de vous arriver là, vous pouvez mettre un bikini normal. Donc je mettre Nous avons un peu de temps. Et là, il y a au moins 4 personnes qui travaillent pour faire une opération possible. Au moins, il y a 4 personnes qui font une opération possible. Donc, ça, c'est l'espace qui va réserver pour ça. Donc, en gros, c'est présentation de différentes salles qui nous ont là dans le service. Donc, j'en ai dit, c'est un centre d'ophtalmologie
donc qui complet, qui est capable non seulement de faire consultation, mais n'a aussi n'a fait opération, nous faire lunettes ici, hein, donc c'est vraiment une bénédiction pour nous de ça. Donc, qu'on y a, nous allons devant pour rester avec différentes entités qui n'ont pas de problème.